Toutes et à tous, bonjour aux présidents d'associations, aux fédérations, aux administrations que je sais nombreuses et très impliquées sur ce sujet. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je suis présente. Quand vous m'avez proposé, j'ai tout de suite dit oui parce que je pense que lancer ce premier colloque, en fait, destiné vraiment aux personnes en situation de handicap, à leur situation, c'était très important pour moi d'être présente. Donc, merci de votre invitation. Nous attachons, et je dis bien nous, collectivement, Agnès Buzyn, moi-même et d'autres ministres sur ce sujet, un vrai sujet d'importance, et nous avons énormément d'attention à votre sujet sur cette écoute et cette maltraitance, comment travailler au mieux, au plus proche des personnes en situation de handicap, notamment. Nous l'avons réaffirmé le 19 février, cet attachement à cette question, lors de l'installation de la commission de promotion de la bientraitance et de lutte contre la maltraitance, conjointe entre le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge et le Conseil national consultatif des personnes handicapées. C'est un sujet de société qui nous engage tous. Pour moi, il était très important d'être là et de communiquer sur son numéro national, le 3977, qui est donc mis en place depuis 2008, hein, c'est cela même, mis à disposition de tous, particuliers, professionnels et accessibles du lundi au vendredi, de 9h à 19h, ce qui mérite quand même de signaler cette plage horaire très très importante. Il s'agit d'un outil essentiel. Essentiel pourquoi ? Parce qu'il permet tout simplement d'améliorer la connaissance d'un phénomène encore tabou, de faciliter le repérage, le signalement de situation et de promouvoir plus globalement la bientraitance et l'accompagnement des personnes dans leur quotidien. Il s'agit d'un dispositif d'autant plus essentiel que les informations recueillies aujourd'hui mettent en évidence que les situations de maltraitance concernant des personnes en situation de handicap sont encore très nettement sous-déclarées en regard de celles concernant les personnes âgées en perte d'autonomie. Nous avons donc du retard à rattraper. Il faut vraiment que nous nous mettions en ordre de marche et je sais qu'on peut compter sur vous et surtout pour les personnes qui vivent à domicile. C'est pourquoi mettre au sein de votre journée aujourd'hui, les personnes en situation de handicap étaient essentielles et je vous en remercie sincèrement. Je remercie bien sûr la Fédération 3977 et son président, son directeur, ses représentants, ses adhérents d'avoir organisé cette journée. Je pense qu'il va permettre à différents experts, praticiens de terrain, d'échanger sur les enjeux et les principes fondamentaux comme l'autonomie et le consentement, comment on peut travailler là-dessus, les modalités d'alerte, d'écoute, le respect des règles d'anonymat et de confidentialité, ou l'évolution et l'évaluation des pratiques pour prévenir et accompagner les victimes. J'en profite pour saluer plus largement l'action de la Fédération, qui gère aujourd'hui la plateforme d'écoute nationale, mais aussi assure la coordination et l'animation du réseau sur l'ensemble du territoire français, la communication ainsi que la participation aux différentes instances consultatives et je sais votre engagement dans toutes ces instances. Je sais par ailleurs que vous avez travaillé avec la Direction générale de la cohésion sociale dans le cadre d'une convention pluriannuelle d'objectifs pour améliorer encore les pratiques, renforcer les relations des antennes avec les acteurs de proximité et réviser votre système d'information afin de mieux exploiter les données statistiques issues de l'activité du dispositif. Mais je tiens surtout à remercier les différents centres d'écoute et surtout l'ensemble des bénévoles. Vous êtes très nombreux et qui prennent le relais de la Fédération au niveau local, qui assurent ce travail si important d'accompagnement des personnes dans ces moments si compliqués, si difficiles, pour leur redonner confiance et dignité. Merci vraiment à tous ces bénévoles. Ils sont importants, c'est un des piliers de notre société, certes, mais là, plus particulièrement, merci à eux. Merci. Mais votre engagement produit ses effets, puisque vous arrivez aujourd'hui à irriguer l'ensemble de la métropole, à ouvrir même de nouveaux centres dans les départements et les territoires ultramarins, Saint-Pierre et Miquelon, Guyane, Mayotte. Et votre engagement permet de révéler un vrai besoin d'accompagnement, parce que les chiffres, même encore sous-estimés, sont loin d'être anodins. Fin 2017, on comptait ainsi 724 situations avec maltraitance, 53% de femmes, 43% d'hommes. Comme pour les personnes âgées, la maltraitance sont surtout détectées au domicile, près de 78% contre 21% en institution. Et la forme de maltraitance la plus courante est la maltraitance psychologique, pour près de 40%,
Puis viennent ensuite les maltraitances physiques à domicile et la négligence passive et médicale en institution. En revanche, contrairement aux personnes âgées, l'appelant est le plus souvent la victime elle-même. La personne mise en cause étant dans 50% des situations un membre de la famille, ce qui peut encore plus compliquer la détection des vulnérabilités potentielles. La maltraitance envers les personnes handicapées, en raison de la nature même du handicap, peut être par ailleurs amplifiée par certains facteurs. En effet, le handicap, qu'il soit physique ou mental ou sensoriel, nécessite d'entreprendre des actions éducatives et soignantes. Dès lors, cette relation de dépendance devient potentiellement, elle aussi, une relation à risque. Les personnes handicapées éprouvent souvent des difficultés à révéler les maltraitances dont elles sont victimes. Certaines peuvent éprouver des difficultés à exprimer ce qu'elles ressentent et à se faire comprendre. D'autres peuvent craindre de mettre en cause une personne ou une structure dont elles dépendent dans leur vie quotidienne. D'autres encore peuvent avoir des difficultés à prendre conscience de la nature de ce qu'elles subissent, ce qui peut les amener à déformer, amplifier ou même minimiser ce qui leur arrive. Pourtant, la banalisation de certains comportements peut conduire aux pires actes de la maltraitance, d'autant plus difficiles à corriger, qu'ils ne sont plus perçus comme tels par leurs auteurs. Cette situation est bien entendu inacceptable, et je sais que vous la vivez au quotidien. On le voit, le phénomène de maltraitance est un phénomène encore peu reconnu, sous-estimé, insuffisamment révélé. Il est complexe et multiforme, et de notions assez récentes. Mais il s'agit d'un phénomène qui revêt de plus en plus une dimension internationale, qui a été définie à la fois par le Conseil de l'Europe et l'Organisation mondiale de la santé, et la politique nationale de prévention et de lutte contre la maltraitance s'inscrit dans ce cadre. Il s'agit d'abord d'une politique qui veille à ne pas segmenter ce sujet de société qui concerne toutes les personnes en situation de vulnérabilité, et plus particulièrement les personnes âgées en perte d'autonomie et les personnes en situation de handicap. C'est aussi une politique publique qui repose sur une démarche globale visant à faciliter le repérage, le signalement et le traitement des situations de maltraitance. Avec, pour cela, nous avons plusieurs dispositifs, le dispositif régional de veille et d'alerte et la mission de contrôle des établissements médico-sociaux dans les agences régionales de santé, notamment au travers d'un programme de repérage des risques, l'obligation de signaler aux autorités administratives tout dysfonctionnement ou événement grave survenu au sein d'un établissement et service et affectant la prise en charge, la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes. Et le numéro national 3977, accessible à tous et relayé par un réseau local pour un accompagnement et un suivi de proximité des personnes. Il s'agit d'une politique qui vise également à soutenir les aidants professionnels et familiaux, notamment dans le cadre des nombreuses recommandations publiées par l'ANESM depuis 2008, puis par la HAS depuis 2018. L'information du public et des professionnels avec les sites de la CNSA et du ministère des Solidarités et de la Santé et les instances nationales dont je parlais tout à l'heure pour la bientraitance et la prévention de la maltraitance conjointe au Conseil et au CNCPH. Donc nous voyons bien que pour autant, nous savons que tous ces efforts ne sont pas encore suffisants et que perdure une forme de loi du silence qui empêche les personnes victimes ou témoins de maltraitance ou de négligence de libérer leur parole. Ainsi, le gouvernement a décidé d'engager une nouvelle stratégie nationale de prévention et de lutte contre la maltraitance des personnes les plus vulnérables, pour mieux repérer, prévenir, traiter les situations de maltraitance, mais surtout aussi pour mieux diffuser les pratiques, dispositifs et outils existants, parce qu'il existe déjà beaucoup de choses, pour mieux sensibiliser le public et les professionnels, mais aussi les chercheurs et l'ensemble de la société civile. Cette nouvelle stratégie se déclinera dans un plan d'action pluriannuel 2019-2022 et les travaux conduits au sein de la commission permanente bientraitance, maltraitance conjointe au HF, au Conseil et au CNCPH, présidée par Denis Piveteau et à laquelle participent de nombreux représentants du secteur du handicap, contribueront à nourrir ce plan d'action. Il nous faudra néanmoins réfléchir sur les différentes possibilités d'intervention dans le cadre des maltraitances à domicile familiales qui sont aujourd'hui majoritaires. Je souhaite également que nous puissions accroître la prévention, l'information et la sensibilisation en direction des personnes les plus isolées, isolées géographiquement ou socialement. Il me paraît enfin capital d'améliorer la connaissance de ce phénomène, notamment pour les personnes elles-mêmes en situation de handicap, car la première façon de lutter contre ce fléau est bien de le rendre visible.
Mais cette politique et ses objectifs sont bien sûr en lien avec la volonté du gouvernement de renforcer plus globalement cette société inclusive et la participation des personnes en situation de handicap. Cela passe par un changement de regard sur l'ensemble de la société sur ces personnes, pour leur garantir les mêmes droits qu'à tout citoyen. C'est pour cette raison que le président de la République a rappelé lors de son discours de Versailles, le 9 juillet 2018, devant le Congrès, son objectif de permettre aux personnes faisant l'objet d'une mesure de protection juridique un retour au droit de vote inaliénable. Le droit de vote est en effet un élément essentiel de la citoyenneté. C'est un droit universel, fondamental, qui doit être exercé par toute personne membre de la nation. Le droit des personnes, la qualité des interventions et de l'accompagnement, la protection des plus vulnérables, la prévention des ruptures, la pleine représentation et expression des personnes, voici autant d'enjeux qui doivent vraiment faciliter la vie au quotidien et apporter des réponses effectives aux besoins des personnes. À nous de les mettre en place, à nous collectivement de les faire vivre. Donc je sais que vous allez y travailler. Je voudrais juste revenir sur ce droit de vote. Je pense qu'il va nous obliger énormément à travailler sur les communications, sur la communication alternative, sur la communication augmentée pour permettre cette expression de la personne et donc va être un outil et très important d'amélioration des pratiques pour l'expression de la personne et donc aussi son expression de besoin, ses expressions quand elle est victime. Donc c'est un vrai enjeu que nous avons tous collectivement à porter. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle journée de travail. Je serai très sensible à vos travaux et bien sûr, les administrations me le feront savoir. Et je voudrais encore une fois remercier les bénévoles parce que je sais qu'ils sont extrêmement impliqués, qu'ils sont une partie prenante de notre société et que sans eux, beaucoup de choses ne pourraient pas être faites. Donc, je vous souhaite des très bons travaux. Merci beaucoup de m'avoir accueilli ce matin et je vous laisse poursuivre vos travaux. Ouais.